Salut YouTube! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Content de vous revoir du coup, hein? Ouais, j'ai gardé la moustache. Bon, du coup, c'est parti! Attendez, j'ai oublié un truc! Attendez. N'oubliez pas, hein? Code créateur Tog Mortier Y. Ok, bon bah c'est parti, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une découverte Epic Games saison 4. Donc c'est parti, je clique sur le bouton, on lance la saison, prêt à me détruire les oreilles. Alors c'est bon, on est enfin sur le jeu, on va cliquer sur Battle Royale et on va peut-être avoir une petite démo qui va me casser les oreilles. Hein. Comme à chaque saison, j'ai perdu actuellement 10 points d'audition depuis le chapitre 1. Là je vais fermer ma gueule. Bon, il va y avoir des bottes. Oh, pinaise. What? Sympathique la banane. Allez, tu vas te calmer toi. Tous unis contre le méchant. Oui. Le nœud du conflit. Incroyable. Bon, j'ai les oreilles qui saignent. Malgré mes souvenirs brisés. Oh. Je sais que j'ai amené ces guerriers ici pour défendre notre réalité. C'est au-dessus de ces terres étranges que nous nous préparerons à l'affronter. Galactus, le dévoreur de monde. Oh punaise! N'oublions pas qui nous sommes. Alors. Tornade. Ah voilà, j'avais dit. Iron Man. Yes. Mystique. Mmh. Docteur Fatalis. She-Hulk. Wolverine. Et je s'appelle Groot. En effet. Notre plus grand combat commence maintenant. Oh, nous explorerons ces terres et retrouverons nos pouvoirs ainsi que notre mémoire. Rejoignez-nous, ensemble, nous vaincrons Galactus et sauverons la réalité. Oh mon dieu, ça va être un bordel cette saison, je sens. Aïe 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 aïe. J'ai pas assez de V-Bucks. Premières impressions, bah écoutez, j'ai peur. J'ai peur des pouvoirs, mais on verra bien. Alors on se retrouve dans le pass de combat. Qu'est-ce qui va se tramer? C'est trop fort. Epic Games, les musiques sont trop fortes. Bon, déjà, il y a Thor. Ok, Thor, stylé, mais bon. Je sais très bien que je ne l'utiliserai jamais. Alors, pass de combat, on va y arriver. Alors, qu'est-ce qui se trame dans ce pass de combat? Alors, ouais, on va surtout regarder les skins, hein, évidemment. Ce qui m'intéresse le plus, skin et danse. Ok. Ouais, bon, après, les parachutes, on va checker un peu la tête qu'ils ont. Ils sont tous pareils, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Groot en lui-même. Sympa. Il est beau, il est bien fait. Mais pareil, je crois que je l'utiliserai pas. Rien que la largeur de ses épaules. Tornade. Ouais, elle, il y a moyen qu'on l'utilise parce qu'elle est relativement mince, Tornade. En fin de compte, ils se sont pas embêtés. C'est les skins des héros qu'on voit dans la... dans la bande-annonce, hein, tout simplement. Ok. Il n'y a pas trop de danse, j'ai l'impression. Je sais pas. Il n'y a pas de danse, en fait. Hein, ils ont oublié. Ok, Mystique. Ouais, Mystique pas mal. Un peu visible là, la coiffure orange là. Iron Man lui. Tony Stark quoi, c'est écrit là de toute façon. Mais du coup on doit le faire évoluer j'imagine. Avec le guide de défi. Ouais. Ouais, le pass de combat pas terrible de toute façon, je dis ça chaque saison. Ok, bon. Bah écoutez, on va aller se bagarrer et on va voir un peu ce que ça donne in-game directement. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que c'était ce bordel? Ah, il y a des trucs là. Il y a des géants morts. Pas trop ce que c'est. On va aller voir. Hein. Le but, ça va être de découvrir un maximum de choses. En minimum de temps. Bon, alors, il y a toujours ce bug. Hein? Ça, pourquoi changer? Qu'est-ce que c'est que ce fatra ici là?
Alors il y a plein de trucs que je vais pas voir dans la vidéo, c'est une certitude. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gigarobots? Là normalement il y avait un coffre ici là. Ok, je vais au coffre. Là je lui ai pris un ordre. Ok. Alors là, déjà il y a toujours des hogs. On va farmer vite fait hein, quand même. Histoire de pas crever direct. Alors c'est quoi ça? Ça se tape pas? C'est de la déco? Il y a eu une guerre en fait, non? Oh la maison elle est cassée! Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs aussi, hein, faut quand même faire gaffe. D'accord. Oh il y a une pompe. Non! Alors la dernière fois, j'avais pas compris le pompe à charge, hein. Mais en fin de compte, je l'ai beaucoup apprécié. Beaucoup, vraiment. Et bah il n'y est plus, il y a de nouveau le pompe chasseur visiblement, ok. Bon, ça, c'est quand même une grande nouvelle. C'est vrai qu'il était quand même très fort ce pompe à charge. Vas-y, prends pas fou. Il était très fort, mais du coup j'aimais bien, ça faisait vraiment... Si tu avais de la yem, un pompe avec lequel tu avais confiance en fait. Donc bon, oh il y a la hog, la... ça là. Merde, comment ça s'appelle? Fusil à lunettes. Air à lunettes. L'air scope arme qui est très forte. Donc à voir comment elle va être utilisée. Ok, alors on va ici. Continue à farmer. Oh, il y a la PM là. Ok, on va faire ça. On va jouer comme ça. On va voir. Hein. Je vais essayer d'utiliser l'air scope quand même. Oh, le bazooka à bandage. Alors ça, c'est bien aussi. Je prends ça. Elle a combien de dégâts? 34 dégâts. Lui, 90, le pont bleu. Ok, je sais pas combien c'était avant. D'accord. Bon, c'est sympa de revoir quelques armes. Alors, cette arme, par contre. Je sais qu'elle était extrêmement forte, je sais pas si elle était nerf, on va voir. Bon du coup, alors pour l'instant le speech de la saison, bah écoutez, c'est les petits partenariats avec les Avengers, Marvel, Comics, etc, etc. Moi, personnellement, je suis pas trop fan de ça. Parce que tout simplement, Fortnite avant avait sa propre histoire, c'était le monde de Fortnite. Et bon bah... Argent oblige, bah les partenariats c'est plus intéressant hein, que mener sa propre histoire. Qui était vachement bien, hein, le roi du feu, le roi des glaces, etc, etc. Le cube et tout ça. C'était une histoire qui était propre à Fortnite et j'aimais beaucoup une histoire propre à Fortnite. Donc je trouve ça un peu dommage d'abandonner ça pour faire des partenariats. Et oublier l'histoire de Fortnite tout simplement. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous dites moi dans les commentaires par rapport à l'histoire de Fortnite, les partenariats. Si ça vous plaît, de retrouver d'autres univers dans le jeu. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, mais pour des modes temporaires ou des partenariats un peu uniques et surtout limités dans le temps. Une saison entière, bon, je suis pas fan de l'idée. J'aime bien que les partenariats s'inscrivent dans le jeu et que le jeu ne soit pas entièrement avalé par le partenariat, mais bon. Après, c'est comme ça, c'est leur choix. C'est pour la caillasse. La money, money, money. Oh, je vais aller voir un truc vite fait. Direct, très important. Est-ce qu'il y a le retour du Space 12? Le bon Space 12. Alors, le bon Space 12. Oh, il est de retour du Space 12. Oh, il est perdu. Bon, bah, ça va. On va vite l'oublier, le pompe à charge. Mais j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien. C'était une bonne mécanique, je trouve. Là, du coup, il va falloir se réentraîner au nouveau pompe. Il tire au moment où tu appuies. Et pas où tu relâches, donc t'as un nouveau pompe. À l'ancien nouveau pompe, l'ancien nouveau vieux. Ah, mais ils y sont encore. Ils y sont encore. Ah, je suis content. Oh putain, il y a encore les poissons. Oh non. Hein. Bah du coup, je vais prendre le pompe. Putain, espace 12. Oh ouais, là, il y a du choix, c'est bien. C'est très bien. C'est bien d'avoir tous les pompes en fait. On verra ce qui sera le plus utilisé. Je pense que le space quand même ça fait bobo. Je sais pas, c'est peut-être en fonction des zones, on a des pompes différentes, j'en sais rien. Bon c'est pas mal, c'est bien bah, d'avoir le choix, c'est bien. Est-ce qu'il y a encore des tactiques, je sais pas. Est-ce qu'il y a des pompes de guerre à éclater là? Ouah la cadence elle est pourrie, elle était plus rapide avant l'air scope. Quoi? Attends, comment ça il s'est déplacé comme ça lui? Merde putain j'ai pas vu. Oh non! Le pompe de guerre okay. Oh non. Oh non, pas ça! Mais quoi?
Mais qu'est-ce qu'il nous fait tort là? Non, Berk. Oh, il y a des répulsives. Alors ça c'est bien. Ok. Est-ce que je me... Oh, il y a des... Oh là 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 là. Les pattes bleues, les répulsives. Est-ce qu'il y a des pièges du coup? Est-ce qu'on retourne à l'essence de Fallen Bar? Ouais. What? Viens de battre. Viens de battre. Vas-y, mais il fait quoi lui? Eh, il rend fou. Allez. Gros. What? What? C'est quoi ce bordel? Attends, il s'est passé quoi là en fait? Est-ce que ça marche si je fais ça? J'ai voulu charger mon pompe. Mais attends, mais il me tire dessus avec quoi? Mais quoi? Du coup, il y a toujours des bots. Ok. Je pense qu'il y a toujours des armes mythiques aussi. Il y a moyen. Genre les armes des Avengers en gros. What? Mais est-ce qu'il y a toujours Cathy? Le cat kit. Le chat kit là. Bon bah écoutez, c'est plus ce que c'était. Hein. Tout simplement. J'ai envie de me battre. Parce que j'aime me battre. Oh, y a un gars. Non, c'est un bot. Ça c'est un gars ça. Ah ouais, je suis le pire quoi. Je suis le pire, wesh. Hey, il est vénère le bot. Il y a un hélico, évidemment. Ouais, là, il y a un mec là. Vas-y. Les embrouilles quoi. Oh, une PM... Une... Ah. Incroyable. Qu'est-ce qui se trame? Un pompe bleu. Vas-y, on va le prendre. Qu'est-ce qui se trame, bordel de cul? Il y a encore un gars. Ouais, on dirait que je fais n'importe quoi, mais... Tout est maîtrisé. Il est où? Prendre les sons, ça n'a pas été amélioré. En bas ou en haut? En haut. Ok, y'a un gars. Ok, il est où? Oh, il est là. T'es sérieux là? T'es sérieux, j'ai pas mis une tête. T'es sérieux, j'ai pas mis une tête là. Eh, vas-y, rends pas fou. Ouais, je l'ai touché. Mais par contre, j'ai pas un petit... Petit moyen de propulsion. Qu'est-ce qui nous fait Henri? Henri! Je m'appelle Henri. Et je t'appelle. Salut! Je suis là. Ah non! Y'a des poissons. Non.
pas ça, Epic Games. Pas ça, pas la Poiscaille. Est-ce qu'ils ont changé de tête? Poisson bleu? Ah, c'est un poisson piment. Ah, ça, c'est bien ça. Ça vient d'accord. J'aime me battre. Ouais.